Sarah. M'en bats les couilles là, négro. Damn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it back. Ouais, c'est bon. Voilà. Moi, je suis allé chercher un ami parce qu'on est perdu là, je sais pas où c'est qu'ils sont. Ouais. Normalement on devait s'arrêter là pour partir. Ouais. Et je sais pas, moi je suis arrivé en retard. D'accord. Je sais pas où c'est qu'ils sont partis. C'est privé là. C'est une forêt domaniale, c'est pire que ça. Là je suis censé vous mettre une amende de 1 500 € chacun quoi. Ouais. 1 500 €. Là vous êtes pas censé circuler avec des engins à moteur sur les sentiers. Ah merde, je suis désolé monsieur. Ouais. Attendez. Donc là j'ai relevé les plaques et voilà. Ouais. Les plaques. Ouais, les voitures. Les forêts aux alentours de là-bas. Toutes les forêts de manière, de toute façon, c'est une réglementation nationale. Après, si vous êtes propriétaire d'une forêt, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Mais dans les forêts de l'État, il est interdit de circuler avec un véhicule à moteur dans les chemins non carrossables. C'est-à-dire que s'il y a. En plus, lui, il me passe dans la forêt quoi. Ouais, mais il est malade, il faut qu'il trace au droit lui. Putain, alors. Ah mais là, il y a des dégâts sur les jeunes arbres, sur la faune. Putain, vous déconnez quoi. Bonjour, c'est le ministre national des forêts. Là, vous circulez en dehors des chemins carrossables. Donc là, c'est une amende de 1 500 € en plus. Vous passez allègrement dans les chemins, vous écrasez des jeunes gens. Qu'est-ce que je fais moi? 1 500 € normalement, l'amende pour ce genre d'attraction. Quoi. Là, c'est pénible quoi. Hein, ouais. Là vous venez, dans le domaine de l'État, vous amusez au départ de la forêt. Quoi. Là ici c'est le domaine des animaux, des arbres, c'est pas le domaine des engins. Si vous voulez faire du hors-piste, vous allez sur des terrains. C'est pas fait pour ici quoi. Hein. Que ce soit clair. Hein. Donc c'est pas. Soit vous allez sur des terrains privés, des terrains agricoles, mais là ici c'est typiquement c'est un endroit où on essaye de préserver la nature, la forêt. Et qu'est-ce qu'il y a, voilà, du bruit, du dérangement. Bon voilà, c'est malheureux que j'ai à vous l'expliquer quoi, mais bon. Mais le truc c'est que moi je connaissais pas ici. J'aime pas d'ici, c'est pas proche de l'Orguin, nous on est. D'accord. On nous a dit qu'ici on pouvait rouler. Il y a beaucoup de monde. Après il y a des chemins qui sont ouverts. Il y en a des centaines de kilomètres de chemin qui sont autorisés. Sauf qu'il y a d'autres, partout vous voyez, c'est pas possible de passer avec une voiture, vous n'avez pas à y aller en moto quoi. Et pire encore, quand vous passez à côté, entre les arbres, là vous écrasez, vous piétinez la biodiversité. Bonjour. Enchanté, Vatinez Sugi. C'est au ministère des forêts. D'accord. Voilà, moi je me suis présenté parce qu'ils sont arrêtés, vous avez continué. Non, parce que je crois qu'ils allaient par là-bas, Je n'ai pas spécialement fait attention à vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en avez à votre présence ? Une infraction. Ah bon ? Une infraction, ouais. Même, par rapport à la circulation des engins. Ah ouais, on n'a pas le droit ici ? Et vous n'avez pas le droit. Mais pourtant on avait le droit sur internet et tout, nous a dit c'est pour Non, regardez, c'est une loi sur tout le territoire français, il est interdit de circuler avec un véhicule à moteur, en dehors des chemins, voilà. Donc bon, c'est vrai que ça, moi j'aime pas foutre les PV, surtout de ce montant-là, voilà, c'est pas anodin, c'est pas 35 € et puis je m'en vais quoi. Steve et tout. Quoi ? Il est parti où Steve ? Mais je sais pas, on les a perdus, c'est pour ça que je suis allé là-bas mec, moi j'ai pris la route, je peux pas passer par là. Mais. Vous avez dû me voir, mais je passe par là. D'autres personnes avant nous ? Je les ai aperçus, entendus, mais voilà. Ils étaient par là-haut, mais bon. Ouais. Mais on ne savait pas, monsieur. On ne savait pas du tout.
En tout cas, on n'est pas allé où il y avait marqué les panneaux. Ouais, les panneaux rouges là et blancs. On n'est pas allé. On respecte, mais on ne savait vraiment pas. On pensait que. Enfin voilà, je vous le dis. Alors pour cette fois, ça ira. Hein, ce soir. On est quitte, mais par contre, dites-le, faites-le savoir. Et moi, si je vous revois, j'ai relevé les plaques. Oui.